Les responsables des fédérations du premier siège du 3e arrondissement de Libreville sont allés ce samedi remercier et soutenir la tête de liste Laure Olga Gonjou pour tout le travail abattu lors de la campagne des locales du 14 décembre dernier. Une visite marquée par la remise des présents au cadre du Parti démocratique gabonais. Nous espérons bien que notre tête de liste, étant élue malgré tout, malgré cette deuxième place, elle est élue et nous espérons tous que cette tête de liste arrivera au point final qui est la mairie de Libreville, parce qu'on a un projet de société, on a un projet de proximité pour les Gabonais qui vivent dans Libreville. Sensible à la présence et au soutien des membres du parti et prenant la parole au nom des cadres du PDG du premier siège du 3e arrondissement, l'honorable député a tenu à témoigner toute sa reconnaissance. Je ne peux que vous remercier pour ce modeste geste. Et je connais combien de fois vous avez su justement entourer autour de vous l'ensemble des camarades secrétaires de section pour pouvoir justement mener à bien le travail qui vous a été demandé d'abord à l'enrôlement et tout au long de la campagne. Sachant que nous avons des échéances futures qui nous attendent, les plus importantes, en 2016. Je pense que le travail de 2016 se prépare dès aujourd'hui. Le message est lancé, celui d'avoir confiance en l'avenir tout en gardant le même dynamisme pour les échéances prochaines. En sillonnant quelques salles de classe en construction dans les différents collèges de Libreville vendredi dernier, le ministre gabonais en charge de l'éducation n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement à certains endroits pour l'avancement des travaux. Il y a gars sur le même côté. Non. Fille, c'est là-bas, non? Pas fille. Fille, ça c'est. Fille, c'est ça là. Garçon, c'est ça. Non, fille, les filles sont un peu ici, protégées, les garçons sont de son côté. Jamais. Pas dans le même couloir. Okay. Et puis dans un coin du bâtiment, les garçons dans un coin du bâtiment. Ok, monsieur. Ok. Yeah. Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants. Ah bon, d'accord. Ils ne vont pas venir faire les mêmes remarques tous les jours à chaque fois que je viens sur le chantier. Ça fait 10 fois que je continue à dire que ça, ce ne sont pas les lumières qu'il faut pour les salles de classe. Ça fait 10 fois. On dirait que vous n'êtes pas des Gabonais. Ça, et les enseignants et les enfants vont avoir des problèmes de vue en travaillant sous cette lumière. Pour ce qui est des amphithéâtres de l'université Omar Bongo et l'ENSET, c'est une presque satisfaction. Ici, avec le recteur de l'université Omar Bongo, le professeur Marc-Louis Ropivia. Mais initialement, lorsqu'on avait fait le projet, il y avait la nécessité de faire quelques écrans de façon latérale pour les élèves et les étudiants qui sont tout au fond. On va avoir au moins 2 écrans ici, 2 autres écrans là, de façon latérale sur les bords. Ça permettrait d'avoir l'enseignant beaucoup plus proche de l'étudiant et avec une meilleure audition. Avec la remise des équipements sportifs à l'association sportive de l'université Omar Bongo hier samedi par le ministère en charge des sports, l'équipe rectorale espère au plus vite la réhabilitation des plateaux sportifs afin d'occuper les étudiants aux activités sportives. Au cours de la remise solennelle des équipements sportifs à l'association sportive de l'université Omar Bongo, ce samedi à Libreville, la représentante du ministre des Sports, dans son discours circonstanciel, n'a pas manqué de répondre à d'autres préoccupations de cette jeunesse sportive, notamment sur la question de la réhabilitation des aires de jeu. Nous avons dû intervenir auprès de l'ANGT pour que dans les jours à venir, je dirais au plus tard dans un mois, vous verrez, les travaux vont commencer dans la réhabilitation de vos plateaux existants et dans la mise en place au site prévu pour le complexe sportif du terrain de football, puisque nous savons qu'aujourd'hui, pour vous, il est difficile de jouer ici. Et nous avons besoin que nos étudiants se défoulent à travers le sport et pas à travers autre chose. Un projet d'accompagnement qui pourrait encore être meilleur si le club Nzimba d'autrefois venait à renaître de ses cendres. Demain, et nous vous le promettons, le ministre a été clair, demain, quand Nzimba renaîtra, à ce moment, la tutelle viendra accompagner Nzimba dans le matériel d'équipement. Mais pour l'instant, c'est du matériel d'organisation. Vous avez 50aine de ballons de foot, 50aine de ballons de basket, 40aine de ballons de volley, 40aine de ballons de handball,
défilés de tous ces sports. Une cérémonie qui s'est achevée autour d'une collation. Rendez-vous est donc pris dans les tout prochains mois pour une nouvelle dotation dans d'autres établissements supérieurs du Gabon.